Bien. Alors rapidement, je vais commencer et ensuite nous allons avancer. Dans un premier temps, nous avons le fusible. Donc nous sommes dans la réparation des smartphones. Toujours dans la réparation des smartphones. Je vais faire quelque chose. Je fais en même temps image et en même temps chose. Hein, et le cours. Normalement, c'est ce document-là que je donnais avant. Donc vous allez juste mettre fusible par exemple, puisqu'on l'a déjà dit la dernière fois. Le rôle du fusible, c'est quoi? Le rôle du fusible, le fusible est toujours, a comme lettre. Quelle lettre? La lettre F. Donc nous avions dit que pour le fusible, nous avons la lettre F qui symbolise le fusible. En anglais, nous allons l'appeler fuse. Alors, sur les appareils électroniques, que ce soit les smartphones, les PC portables, les drones, les décodeurs, etc., vous pouvez trouver FL. Et là, faites attention parce que c'est une combinaison de quoi? C'est une combinaison de fusible et ensuite de bobine. Voilà. Donc, ça veut dire que nous avons une combinaison de fusible et de bobine. OK? Le rôle du fusible, c'est de protéger les appareils contre les surintensités. Alors, le fusible a toujours un ampérage qui est mentionné sur son corps. D'accord? Le fusible a toujours un ampérage. On met sur le corps de du fusible la valeur du courant qu'il peut supporter. Donc, lorsqu'un fusible grille, il peut devenir noir. Il peut être coupé. Alors, le fusible se teste avec le multimètre en test de continuité. Ensuite, nous avons les vibreurs. Les vibreurs, nous avons deux types de vibreurs. Pour ça, je vais aller un peu sur... Je vais aller sur mon grand frère. Et ensuite, je vais mettre, par exemple, vibreur pour voir. Alors, je vais mettre, par exemple... Alors, les vibreurs, nous en avons deux types. Nous avons les vibreurs de iPhone qui sont différents et les vibreurs des Android qui sont aussi différents. Là, vous avez les vibreurs des iPhone. Tout ce que vous voyez là, ce sont les vibreurs d'iPhone. D'accord? Alors, iPhone a la particularité d'avoir son... Il a la particularité d'avoir ses accessoires uniques. Tandis que pour les Android, vous pouvez les voir, vous pouvez mettre par exemple le vibreur d'un Samsung dans un vibreur d'un Techno ou d'une autre marque donnée. Donc pour l'iPhone, le vibreur, il est un peu comme ceci. C'est un moteur carrément que vous voyez sous la forme là. Alors il arrive que pour les vibreurs Android, on va chercher un. On peut avoir un comme ceci, comme étant un moteur. Vous voyez, on a un moteur avec deux broches. Et ces deux broches là, c'est eux qui représentent le plus et le moins. C'est juste un moteur que vous voyez. Alors il y a celui-ci avec un contrepoids. Celui-ci, on appelle ça un contrepoids. Le contrepoids, en fait, quand le moteur va tourner, puisqu'il manque l'autre partie, c'est ça qui va choquer. Vous voyez un peu? Donc, au lieu de l'avoir totalement recouvert, on a divisé ça en deux. Donc, il y a une masse qui pèse sur le côté et une autre partie qui est vide. En tournant, cette partie qui manque là, c'est elle qui va vibrer. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça qui vibre et on va dire que non, notre appareil sonne. Voici le deuxième. Ce que nous retrouverons généralement dans les Android. Et ça, nous les verrons soit avec les deux broches là, ou soit avec deux fils. D'accord? On peut les avoir avec deux fils, c'est-à-dire le fil plus ou le fil moins. Hein? Vous allez le trouver sur d'autres appareils. Ici, nous sommes toujours sur les Android. D'accord? Alors, le vibreur a pour rôle de signaler un appel qui rentre. Et généralement, quand le vibreur ne marche pas, il faudra le remplacer. On ne répare pas un vibreur, on change le vibreur. On ne répare pas le vibreur, on change le vibreur. Quand le vibreur ne marche pas, on le change. D'accord? Donc, quand le vibreur ne marche pas, on le change. On ne répare pas un vibreur. Il ne faut pas aller chercher à faire des miracles. Hein? En réparation smartphone, il n'y a pas de miracle. On ne change pas les petits accessoires là. Ok? Nous avons ensuite le haut-parleur. Le haut-parleur, c'est ce que nous appelons généralement HP. D'accord? Le haut-parleur, c'est ce que nous allons abrévier par HP, c'est-à-dire haut-parleur. Dans un schéma normal en électronique,
Le haut-parleur se représente comme ceci. Donc, on va vous le dessiner comme ceci. On va le dessiner comme ceci. Et ensuite, on vous indiquera que nous avons d'abord deux choses qui se passent. Et les gens ont tendance à confondre un haut-parleur et un écouteur. Les gens ont tendance à confondre. Et de même manière, les gens ont tendance à confondre avec le casque. Ça fait trois choses. Nous avons le haut-parleur, nous avons l'écouteur et nous avons le casque. C'est trois choses différentes. Je vais aller mollo. Un écouteur, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. C'est lui qui est généralement au-dessus de votre téléphone portable où vous entendez seul la personne parler. C'est lui qui se trouve derrière l'écran. Le haut-parleur peut avoir aussi la même forme comme ceci, mais à l'arrière ou en bas de votre téléphone. Soit vous l'avez derrière, ou soit vous l'avez en bas. Ça c'est quoi? Oui. Ça c'est quoi? Il vient d'où? Je l'ai cassé. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. Désolé, mais c'est moi en fait. Parce que comme j'ai pris la commande, je l'ai inversé et voilà. Donc, comme je disais, vous avez sur vos téléphones une partie où vous avez des trous en bas, là où il y a le connecteur de charge, ou carrément vous l'avez à l'arrière du téléphone. Ça dépend de la marque. Alors, si vous remarquez très bien, lorsque le téléphone sonne, généralement la sonnerie sonne, le son sort par le bas ou par l'arrière. Ça ne sonne pas par le haut. Là où la sonnerie sonne, c'est cette partie-là que nous allons appeler le haut-parleur. Et c'est là où vous faites le rôle de main libre. Quand vous activez la main libre, c'est sur le haut-parleur. Maintenant, là où vous entendez l'appel seul dans votre oreille, c'est ce que nous allons appeler écouteur. Alors, pour l'écouteur, l'écouteur a son symbole qu'il faut respecter. Et quand vous allez en ville pour acheter les casques que vous portez là, les gens ont tendance à croire que tout écouteur, tout ce qu'on met sous les oreilles, c'est écouteur. Non, ce n'est pas écouteur. Parce que l'écouteur n'a que seulement que ça. C'est ça que vous avez. Ça, c'est l'écouteur. Maintenant, nous avons le casque. Le casque, c'est la même chose. C'est la combinaison des deux oreillettes, plus maintenant quoi? Plus maintenant le micro. Voilà la différence des deux. On a ceci qui est le casque et on a ceci qui est seulement que l'écouteur. Et un écouteur n'a pas de micro. Un écouteur ne fait que entendre seulement la musique. Tandis que le casque va écouter le son et en même temps va envoyer le micro. Va envoyer les appels. Il faut faire attention avec ça. Quand vous allez en boutique ou bien vous avez votre boutique de vente, il y a ça qui se pose comme truc qui est là. Je veux un casque. Oui, je veux un casque, ça veut dire que vous avez forcément un micro à avoir. Je veux un écouteur, ça veut dire qu'il n'y a pas de micro. Donc faites très attention. Et les représentations, c'est comme ceci. Ok? Alors, pour un casque ou bien un haut-parleur, le haut-parleur est en quelque sorte un petit accessoire avec une bobine à l'intérieur qui est couverte de quoi? D'un film en plastique. Alors, c'est un truc comme ceci. On met des éléments à l'intérieur, on va faire enrouler des bobines, premier fil, deuxième fil, plus et moins. Et ensuite, on va couvrir ça là d'un film transparent. Voilà, on colle. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la bobine qui est à l'intérieur va être traversée par un courant I, il va induire l'aimant qui est à l'intérieur. I va rentrer là, il va passer dans la bobine pour ressortir par le moins. Maintenant, quand vous parlez, le son qui sort de votre bouche, c'est ce son-là qui tape sur la voile. C'est le son-là qui tape sur la voile, à peu près comme ceci. J'ai un creux comme ça, et j'ai un papier comme ceci. Quand je commence par taper dessus, vous voyez, je commence... Attends ça légèrement. Hein. Voilà. Vous voyez, je fais ça et je commence par faire ceci. Quand je parle, la voix là commence par vibrer. En vibrant, il génère quoi? Il va générer
La manière dont je parle, je crie, je vois, il va créer des fréquences, il va générer des signaux. Ce sont ces signaux-là que maintenant un appareil va capter. Et c'est ce que vous avez sur ce schéma ici. C'est pourquoi ici, vous avez le circuit audio qui est là, qui gère le speaker, qui est le haut-parleur, le headphone, qui est l'écouteur, et vous avez le micro. Derrière, vous avez un circuit convertisseur qui va capter le son, va le transformer avant de l'envoyer vers le processeur. D'accord? Est-ce qu'on peut aller? Donc l'écouteur, si l'écouteur se gâte, il y a deux options. Soit le plastique qui est dessus là est déchiré. Quand quelqu'un parle, vous entendez? Ça fait des bruits. Ou soit la bobine est coupée, il est en circuit ouvert, ça ne marche pas. On parle, vous n'entendez absolument rien. On ne peut pas réparer un écouteur, on le change. Un écouteur se change. On ne répare pas un écouteur, on le change. Voilà un peu la solution. Si un haut-parleur, un écouteur se gâte, vous achetez Benen, vous le montez, c'est tout. Il n'y a pas à réparer. On ne peut pas l'ouvrir parce que la colle qui ferme l'écouteur ou le micro, ou le haut-parleur, vous ne pouvez pas le soulever. Mais par contre, on peut réparer, par exemple, nos haut-parleurs qui sont dans les sons de, dans les caisses de musique des DJ. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est quoi? C'est d'abord un grand truc en vase, comme ceci. L'aimant est à l'intérieur. Et ça là, si on colle du diluant dessus, d'accord, sur la grosse voile que vous voyez là, si on colle du diluant dessus, on peut soulever le papier. Et en même temps, il y a un bobine, un carton qui vient comme ça, et c'est dessus qu'on a mis la bobine. Donc vous pouvez le bobiner. Très facile. Pour ceux qui vont chez les réparateurs de bobines de ventilo, ceux qui font déjà le bobinage. Donc pour les haut-parleurs de son, on peut, mais pour les micros là, c'est tellement trop petit que vous ne pouvez pas les bobiner. Donc le mieux, ça c'est 500 francs. Donc vous achetez 500, vous le mettez et puis gerne. C'est pourquoi je vous dis que aujourd'hui le gars parle, il vous dit je ne vous entends pas. Oui, vous pouvez tester, ça c'était sur le test de continuité. Vous l'enlevez. Et là, je vous dirai plus tard qu'on utilise le DC Power pour pouvoir tester un haut-parleur. Donc, je vous ai dit, vous êtes là, nous sommes là, à Tchernoudem. Vous voyez un peu. Donc, on teste d'abord le haut-parleur au test de continuité. Ça ne sonne pas, je l'enlève, je change, et puis à Tchernoudem, je continue. D'accord? Je continue. Ensuite, j'ai les résistances. Les résistances, nous en avons parlé la dernière fois, vous les connaissez déjà. Donc, je ne reviens plus là-dessus. Nous avons les diodes. Nous avons les deux types de diodes. Nous avons les diodes simples qu'on utilise au niveau de l'alimentation. Nous avons ensuite les diodes LED qu'on utilise au niveau des écrans ou bien du clavier pour éclairer, pour avoir la lumière. Nous avons également la diode Zener qu'on utilise dans l'alimentation pour stabiliser une tension. Nous avons les condensateurs que nous connaissons déjà. D'accord ? Les condensateurs, nous avons deux types, les condensateurs polarisés et les condensateurs non polarisés que nous avons ici. Nous avons les condensateurs polarisés là et nous avons les condensateurs ici qui sont des non polarisés, des traversants. Ensuite, nous avons les bobines dont j'ai parlé. Nous avions dit que les bobines, ce sont des... On a deux types. On a celui-ci qu'on appelle bobine boost. Et l'autre qu'on appelle des bobines simples. On les retrouve généralement dans les alimentations de nos smartphones. Les bobines, on les retrouve. Quel est le rôle de la bobine? La bobine a pour rôle d'augmenter l'intensité du courant par flux magnétique. Vous voyez un peu. Et on retrouve les bobines dans la partie alimentation de votre smartphone. Dans n'importe quel smartphone, on retrouve les bobines dans la partie alimentation. En réparation smartphone, on retrouve les bobines dans la partie alimentation.
ils ont un rôle spécifique, c'est d'augmenter l'intensité du courant. D'accord? Nous continuons. Les transistors, oui. Oui, la question. Oui. Nous avions dit que nous avons deux types de transistors. Nous avons les transistors que nous appelons généralement les transistors bipolaires et les transistors qu'on appelle des transistors à effet de champ. Faites. D'accord? Les deux types de transistors sont différents l'un de l'autre. Le transistor bipolaire peut être utilisé de deux façons, soit en amplification ou soit en commutation. Le transistor à effet de champ, son avantage c'est que il est tellement très rapide en commutation qu'on est en train de laisser tomber les transistors bipolaires. Dans l'électronique actuelle, sur les 4 mères, la plupart des 4 mères, on n'utilise plus le transistor bipolaire. Ils sont en train de les abandonner. Alors pour mieux comprendre, je vais vous jeter vers ici. D'accord? Ici, vous pouvez jeter un coup d'œil après pour voir un peu ce que c'est que les transistors. Et évidemment, vous avez les transistors également qui sont ici. Les transistors MOSFET sont là. Vous allez essayer d'approfondir un peu les recherches lorsque vous serez à la maison sur le transistor. Ce composant en électronique, c'est lui qui a permis d'avoir les circuits intégrés. C'est le transistor qui est né et l'électronique s'est développée. C'est grâce à l'électronique, au transistor qu'aujourd'hui nous avons les appareils miniatures. Parce qu'à partir des transistors, on a créé maintenant les registres, les bascules, les mémoires pour créer ce qu'on a aujourd'hui comme circuit intégré. On a des processeurs, on a des différenciateurs et beaucoup de choses, des amplis opérationnels. D'accord? Donc vous pouvez avancer sur les transistors. Comme j'ai dit tout à l'heure, les transistors ont fait naître les circuits intégrés. Alors, les circuits intégrés dont vous voyez, ce sont eux aujourd'hui qui feront l'objet de votre travail, de votre recherche ici. Comme vous les voyez ici, on nous dit que le circuit intégré assure différentes fonctions. Le voici comme ceci. On peut trouver des circuits intégrés contrôleurs de signes, des circuits intégrés contrôleurs de champ, des circuits intégrés contrôleurs de clavier, des circuits intégrés contrôleurs de l'écran, lumière et affichage, et des contrôleurs mémoire. C'est tout ce que vous avez ici. Pour être simple, sans souci, si vous regardez toutes les images qui sont collées là sur le mur, vous trouverez que ce qui vous frappe sur l'image, c'est les circuits intégrés. Ce qui nous frappe là, c'est les circuits intégrés. Quand vous prenez une carte mère d'électronique, c'est les circuits intégrés. Vous prenez un téléphone portable, c'est les circuits intégrés. Et ce sont les circuits intégrés qui sont là ici. Et c'est eux qui parlent de chaque fonction d'un téléphone. Si un appareil a un problème de réseau, c'est les circuits intégrés. Si un appareil a un problème de logiciel, c'est les circuits intégrés. Si l'appareil a un problème d'affichage, à part l'écran, c'est les circuits intégrés. Donc les circuits intégrés ont leur place. Mieux vous faites ceci, mieux vous comprendrez les fonctions de chaque circuit intégré. Et d'ailleurs, quand vous allez faire des recherches, vous allez comprendre que tout ce que vous allez trouver, ce sera rien que les circuits intégrés. Si vous connaissez les circuits intégrés, la réparation sera très facile pour vous. C'est la même chose que tu continues. Non, j'avais dit ça la dernière fois. Ce n'est pas la même chose. Parce que quand on parle de circuit intégré, on tombe sur l'abréviation CI. Et j'avais dit que non. Faites très attention parce que CI ne veut pas dire CI, il ne veut pas aussi dire Côte d'Ivoire. Circuit imprimé, vous pouvez avoir ici circuit imprimé et ici vous pouvez avoir encore circuit intégré. Alors pour couper tout ça là, on met souvent en anglais IC pour dire intégré de circuit. Donc faites très attention de ne pas vous tromper. Quand on parle de IC, il ne faut pas les tomber sur. CI, s'il vous plaît. D'accord? On continue un peu. Nous avons ensuite les caméras. Pour ce qui concerne les caméras, les gars, vous n'avez pas besoin. Les caméras, ça ne se répare pas, ça se change, ça se remplace. Une caméra ne marche pas, il faut le remplacer. Une caméra, quelqu'un vous dit que je n'arrive pas à prendre la photo, soit l'appareil tombe souvent. Écoutez, le gars vous dit que non, moi mon appareil ne prend pas photo. Vous prenez l'appareil, vous voulez prendre photo, vous voyez que c'est noir.
Vous voyez que c'est sombre. Ça veut dire que l'appareil, la caméra n'est pas connectée. L'appareil n'aime pas, l'appareil ne détecte pas la caméra. Soit l'appareil tombe le plus souvent. Quand l'appareil un peu rec, pouille, un peu pouille. À un moment donné, les nappes s'enlèvent de la carte mère. Alors si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas ouvrir l'appareil, là où se trouve la caméra, l'endroit où se trouve la caméra, vous essayez de presser. Alors, je suis reparti encore. Pas vraiment, hein. Bon, je dépose. Là où se trouve la caméra, là où se trouve la caméra, si la caméra est à ce niveau, si par exemple vous avez la caméra derrière, alors en bas, soit vous avez la nappe qui va être connectée ici, ou soit sur le côté. Donc comme vous ne le savez pas, qu'est-ce que je vais faire? Là, ici, là, je vais presser, histoire de chercher à essayer de reconnecter la nappe. Si vous faites ça, ça ne marche pas, c'est là où maintenant il faut ouvrir maintenant l'appareil. Alors, en ce qui concerne les appareils photo des appareils, il faudrait d'abord que vous signalez au client les conditions qui vont suivre sur la réparation d'une caméra. Aujourd'hui, la plupart de nos téléphones, smartphones, on les chauffe à l'avant. Ça veut dire qu'il faut soulever l'écran avant d'avoir accès à la caméra. Et il faudra être bien mentalement, bien au niveau de la main avant d'ouvrir pour réparer la caméra, parce que le risque il est grand. Vous pouvez souffler l'écran pour remplacer et l'écran ne marchera plus. Vous pouvez souffler, l'écran peut casser. Vous pouvez souffler, l'écran va devenir noir ou blanche. Le risque il est grand. Et à chaque fois que vous voulez réparer un appareil, les gars, il faudra d'abord se renseigner sur l'écran avant de savoir quel est le prix que je fais pour une réparation qui va me coûter 5000 francs que d'aller acheter un écran de 150 000 francs. Faites très attention. Aujourd'hui, vous allez voir que les écrans de Samsung sont extrêmement chers. Quelqu'un qui vous amène son connecteur de charge, le connecteur de charge qui vous donne un prix, vous savez que le chargeur, vous savez que je dois souffler, tout ça. Il est quoi? Il est sur WhatsApp. Hein? Il est en train de m'enregistrer. Il est en train de m'enregistrer. Seigneur, il ne m'a même pas dit. Mam, c'est bon comme ça? Non, c'est bon. Il y a le connecteur. Vous voyez par exemple celui-ci. Voici un téléphone qui est là. On ne peut même pas l'ouvrir par derrière. On ne peut que l'ouvrir par devant. Pour l'ouvrir, il faudra que je chauffe l'écran. Pour chauffer l'écran, le risque il est énorme. Soit je casse l'écran, soit je souffle avec la mauvaise température et une tache blanche va se former. Le risque il est énorme. Alors pour ouvrir cet appareil-là, prenez d'abord soin d'appeler le fournisseur, de demander si l'écran la gnatte, là, avant de dire au client, je vais te faire ça à 10 000. Quand il va te dire oui, il faut faire d'affaires quoi, il part. Et comme toi, tu veux gagner 10 000, tu commences là, tu en tapes. Tu t'arrêtes et tu commences, c'est là où tu racontes là. On l'avait une fois en fait. Hein? On l'avait une fois en fait. Il faut que ça t'arrive pour que tu y arrives. Et quand tu es dans un vélo, il faut que tu tombes, que tu te blesses. Quand tu roules, quand tu apprends un métier. Mon premier téléphone, je l'ai gâté en 2003. Mon premier téléphone que je devais réparer, c'était un téléphone Motorola V6. Le Motorola V6, je vous montre. Je vous raconte un peu, 5 minutes, je l'ai gâté. Quand je l'ai gâté pour le client, parce que je quittais quand même ma salle pour venir à Dakar, pour réparer. Et moi, quand le client m'a remis le téléphone à la maison, j'étais tellement très pressé parce que c'était mon premier téléphone à réparer. Donc, même dans la voiture, le clando qui m'amenait en ville, j'ai commencé par ouvrir le téléphone dans le taxi. Or, l'écran que vous voyez là, cet appareil, il y a un petit point qui est là ici, ça. Il faut d'abord dévisser l'antenne. Il y a un petit point, c'est un plastique qu'on a mis. Le plastique là, l'arrière, ici là, la coque arrière là, couvrait celui-ci.
Donc quand vous mettez ça, il faut mettre maintenant, c'est le petit point là qui, on met ça dans un trou comme ça. C'est lui qui attrape l'arrière. Et quand il y a le réseau, c'est là-bas où on regarde. Il fait vert comme ça. Ce petit point là, on m'a vendu ça à 4000. Or, les petits points là, c'était dans l'habillage. Ce qu'on appelait coq dans ces temps. Et comme j'étais dans le taxi, moi je ne savais pas comment j'allais faire ouvrir l'appareil. J'ai attrapé ici. J'étais comme ça dans le taxi. Et puis, crac, ça s'est séparé. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais arriver et puis je vais faire ça. Vous savez combien de temps j'ai mis pour réparer ce téléphone? Ça m'a mis un an. Le gars commençait pas à me menacer. Je ne dormais plus chez moi à Kemasa. Mes parents commençaient pas à être en alerte. Je dormais chez mon oncle. Ça en 2003, c'était cher. En 2000, il était à 355 000. Sans la puce. Ce téléphone que vous êtes en train de voir. Où est-ce que moi j'ai trouvé 350 000? Je venais de finir ma formation. Je n'avais même pas encore d'atelier. C'est en ce temps où on faisait les décodages. Avec les Ericsson 10-18. Avec les Ericsson T10. Ce que je vous passe, c'était les Nokia 5110. Les Nokia 5110. Les 6110. Des Panasonic avec des antennes, on tire de la tête et ça sort comme ça. Non, c'était même pas ça, c'est 2010. Ça, c'est les 2010. Là. Oui, ça, c'est les 2010. C'est rien du tout. Je parle de Ericsson. Ericsson 10-18. Oui. Voilà. Ericsson 10-18. Je parle de ce téléphone-là, où on vendait ça, on vendait les habillages-là, ça, le bleu-là, ce que vous voyez ici. Ça-là. Ça, c'est au temps où on vendait ça-là, cher. Pour changer un peu l'image de ton téléphone, il fallait acheter ce machin-là, ce truc-là. Pour changer un peu, faire style, il fallait acheter ce truc bleu-là. C'était à 5000. Non, je vous dis, c'était au temps où il y avait ces... Voilà, ça, quand tu veux faire un peu nouveau, tu allais acheter ça. Ça, tu commences en France. C'est là où le papa faisait des dedans et on mettait ça sur la poche. Et le téléphone était couché sur la hanche comme ça. C'est ça là, je vous dis. Et ça, moi, j'étais revenu en Allemagne avec 500 pièces. Ça, que je vendais à mes copains qui étaient au pays. Il y avait d'autres. C'était au temps où on avait les Nokia. On avait les Nokia. On avait les Motorola. Des Motorola bizarres. Même ça aussi, les 3210, c'était un peu après. C'était dans les alentours de 2010, 2008, 2010. C'est quand? Oui, c'était les, voilà. Ça, c'est quand les Ericsson avec antenne ont commencé par disparaître qu'ils nous ont sorti ça. Or, l'antenne était à l'intérieur. Problème de réseau. Mao. On avait les Alcatel, Alcatel Touch. Ou bien Alcatel, les Alcatel One Touch. Ce qui était, c'était un peu bombé par derrière, on mettait les piles, les voici. Voilà, c'était autant là. Et nous, on transformait les écrans en couleurs. On enlevait les lettres bleues ailleurs et on venait mettre sur l'écran pour avoir la couleur. Quand tu l'ouvres, il y a une plaquette qui se repose sur la mer. Donc, sur l'écran là, nous on changeait les petits LED là, on les enlevait, on mettait des LED vertes, rouges et bleues pour avoir style façon quoi. Mais c'était l'argent. Quand tu changes les LED là, tu as presque 35 000. Parce que ça, c'était des LED orange. Donc, quand nous, on change les LED, là, on fait couleur, façon, c'est de l'argent, là. Ouais, c'était un peu ça. Ça nous a emmerdé, hein. Ça, là. Et surtout ceux-là. Ouf, on les a flashés, fatigués. Non. Ah, c'était le voleur, le bon vieux temps. Après, ils nous ont envoyé ça. Les trucs bizarres comme ça, là. Regardez les antennes, je vois, et puis je me rappelle le bon vieux temps.
Ça, si tu as acheté ça, c'est que tu as l'argent. Si tu as acheté ça, tu as l'argent. Après, ça a disparu maintenant. Hein? Ben oui. Bon, on continue. Donc, pour les caméras, c'est un peu la chose. Une caméra, ça se remplace. Ça ne se répare pas. Maintenant, j'attaque maintenant une partie qui est très importante pour moi, les outils de réparation. C'est pourquoi je voulais faire ce cours-là ce matin, cet après-midi, pour que vous puissiez vraiment avoir une idée. D'accord? On peut aller? Bien. Alors, vous avez d'abord, c'était les premiers qu'on avait utilisés. La station de fer à air chaud. La voici. C'est ce que vous avez devant vous de couleur bleue. Ça là, j'avais acheté ça au temps où on avait démarré ici en 2015. Et il y a un certain Babacar qui était venu, Babacar Gay. S'il m'entend, et s'il est connecté, il m'entend là, c'est un voleur, c'est un saquier. Il est venu de Guéyaï. En tant que formateur, un beau jour, une bonne soirée comme ça, il y avait d'autres qui faisaient la formation et on avait commencé avec 5. Il a ramassé ça et ça, il est parti. Saché. Il est parti. Il a volé. Ça, c'était au temps où ça, là, ça coûtait 75 000. C'était au temps où ça coûtait 75 000. C'était les premiers. Maintenant, c'est à combien? Maintenant, là, ça a diminué. On a maintenant 25, on a 35 000. Ça dépend un peu de ce que tu as. Parce que là, vous allez voir que vous avez deux. Vous avez celui-ci, le fer combiné ou l'autre. Et ça, vous n'avez pas le fer qui est dessus. Il y a l'autre qui est là-bas, le bleu de ça qui est à la télé, qui est combiné au fer. Ça, c'était les super, ça. Les bleus, là, c'est les super. Maintenant, là, c'est ceux-là qui viennent, mais ils ne sont pas assez robustes comme les bleus, là. Vous voyez un peu. Donc, voilà, vous avez la station de fer à air chaud. Il y a les portatifs aussi. Hein? Il y a les portatifs. Oui, les portatifs, mais les portatifs, c'est juste pour souffler, pour souffler, hein? C'est juste pour mettre un peu de chaleur seulement. Mais ça n'arrive pas à souder vraiment. On a ça, moi j'ai ça, au magasin on a ça, là-bas, à l'atelier, j'ai presque une dizaine de portatifs. C'est juste pour chauffer, quoi. Oui, tu n'arrives plus de pas de souder avec. Ça, tu ne peux pas, c'est juste par exemple pour chauffer, comme les gens aiment le faire, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le portatif là. Vous pouvez l'avoir aussi dans le sac, mais il n'est pas assez. Il ne peut pas sortir assez d'air comme celui-ci, quoi. L'air n'est pas assez fort. Hein? Donc, je continue. Après la station de fer air chaud, vous avez le multimètre. Vous allez voir que chacun devant lui a son matériel qui est là, le multimètre. Le prochain cours sera sur le multimètre. Donc déjà, je vous dirai un peu comment il faut faire. Vous avez le multimètre. Le multimètre ne s'achète pas comme ça. Le multimètre s'achète sur une base de caractéristiques, 4 critères. On achète le multimètre sur 4 critères. Et les critères, c'est ça qui détermine l'achat du multimètre. Alors, vous avez plusieurs types de multimètres. Avant, on avait les multimètres analogiques et les multimètres digitales. Aujourd'hui, vous avez ça. Voici un peu ici derrière vous. Vous avez en haut les digitaux et en bas, vous avez les analogiques. Les analogiques, ce sont les multimètres à aiguille. Très compliqué à utiliser. Très compliqué parce que, avec les multimètres analogiques, la valeur, l'incertitude était grande. Les gens, la valeur que tu lis est différente parce que ça dépend de ta position. Parce que on ne lisait pas les guides, mais on lit la valeur sur le cadran en miroir. Donc après, c'était un peu compliqué. Donc finalement, ils ont fabriqué les calculateurs et intelligents. C'est ça où nous avons aujourd'hui un multimètre numérique. Il lit l'information et t'affiche la valeur. Mieux, c'est ce que tout le monde utilise. Voilà. Ceux qui ont fait la old school, eux, ils maîtrisent encore. Hein? Les nouveaux là qui viennent là, ils ne veulent même pas faire. Alors, nous avons ensuite les tournevis, le kit d'ouverture. Ce sont les tournevis. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la chose est devenue différente. Qu'est-ce qui se passe? Les téléphones Apple ont leur vis à part. À l'intérieur des Apple, ils sont aussi différents. Ça veut dire quoi?
que de l'iPhone 1, première génération, jusqu'à l'iPhone 6, vous avez les mêmes tournevis. À partir du 6S Plus jusqu'à là, les vis sont différentes. C'est pourquoi la vis qui ouvre en bas est différente de la vis qui ouvre à l'intérieur. Donc vous avez des angulaires, des hexagonaux et vous avez des cruciformes. Le cruciforme, c'est celui qui est 3 et l'autre, c'est celui qui a 8 côtés. D'accord ? Donc, à chaque fois que vous avez un truc, c'est pourquoi vous aurez à chaque fois le matériel à acheter. Ça, ça ne va jamais s'arrêter. Vous allez acheter le matériel. Le matériel, n'en parlons pas. Vous allez acheter jusqu'à fatiguer, si vous voulez être bon. Le matériel, c'est tout. C'est pourquoi j'ai dit un technicien n'a plus d'habits à porter. Un technicien n'a plus le plaisir à s'offrir. Vous voulez être bon. Vous voulez vraiment vous asseoir, réparer, gagner. C'est le matériel. Alors, il y a une chose qui se passe. Beaucoup aujourd'hui ont de l'argent, vont s'acheter le matériel en Chine. Ils exposent, ils travaillent, ils pensent qu'ils travaillent. Mais en réalité, il faut avancer la technique. Après tout, c'est les mains. Ce n'est pas le matériel qui fait. Les gens achetaient, après ils ont abandonné ou bien ils ont revendu. Il y a un monsieur qui est venu chez nous, il était comme Mohamed. Il a quitté même le Sénégal pour se rendre en Chine pour faire la formation. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a mis presque 3 millions hein, pour y aller. Mais monsieur, moi, ce que je veux dire, actuellement, la moitié est ouverte. Ils ont dit que le billet est à 4 millions. Ça vient doubler, justement. Il y a deux ans. Ils ont dit que le billet seulement. À 4 millions. Plus que oui. Puisque. C'était fermé depuis. Depuis la Covid. La Covid, oui. C'était plutôt que. C'est ça qui fait que même actuellement le matériel. Ce qui fait même que le matériel et tout aujourd'hui est en train de se compliquer. Mais le billet seulement. Coûte 4 millions. Tout là, mais le billet seulement. 4 millions, tu n'as pas envie. Si, 4 millions. J'ai ouvert la boutique. J'ai acheté le matériel dedans. Hein? J'ai rempli, et j'ai 4 millions. Je ne vais plus. Aujourd'hui, la plupart restent 4 millions. J'ouvre la boutique, je charge la boutique. Vous voyez? Donc, le matériel, oui. Mais après aussi, il faut savoir comment je fais. Le gars, il a acheté une machine qui répare les écrans. Et il répare les cartes graphiques des PC portables. Quand il est arrivé à Dakar, il a installé ça chez lui, il a commencé par travailler. Les gens, quand ils viennent, ils disent, cartes graphiques seulement, 25 000 francs, les gens font du wahale. Tellement ça l'a énervé, il a pris sa machine de sa boutique, il a ramené ça à la maison. Maintenant, il est en train de chercher quelqu'un avec qui il va, s'il peut, remettre la machine. Et le gars va travailler, et puis bon, il se partage un peu les bénéfices. Oui, je vais apprendre, je vais acheter le matériel. Mais après aussi, la formation en bas, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc je vous demande, c'est pourquoi je vais insister à un moment donné, je vais être très 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 dur avec vous. Attendez-vous à ça. Ça pour ça, je ne blague pas. Quand arrivé à un moment de la formation, je suis très sévère. Au moment de la pratique, c'est autre chose. Je deviens autre chose. Donc, je sais ce que c'est que la pratique, la technique des doigts. Mais il faut vraiment avoir le temps de s'asseoir sur votre table et faire. Et faire. Donc, incessamment. On va faire des pratiques. Hein? On va faire des pratiques. Ah oui? Ah. Tu vas prendre là? C'est pour ça. Ça n'est pas possible. Après, il y a des cours de théorie. Il faut guider, ça va là. Ça n'est pas que c'est. Ah, tu n'as pas de formation. Tu penses que moi je vais parler comme ça là, jusqu'à je rentre le soir. Tu sais, le soir quand je rentre, tu sais, j'ai mal ici. Ça va pas. Non, j'ai l'impression que tu ne sais pas encore. Hein. Il pense qu'on ne va pas fatiguer. Tu vois mes vieux. Tu sais combien de litres de café j'ai pris avant de me venir. Est-ce que tu sais qu'avant de rentrer à ça, j'ai descendu, on m'achète à manger, je mange avant de rentrer. Moi, j'ai fait ça là pendant 6 mois. Mais mon frère, et tu penses que les autres vont venir me trouver? Tu sais comment ça fait mal ici? mais ça va partir de la formation. Mais est-ce que tu sais combien de documents je lis avant de venir en salle? Ouais.
Non, c'est pas moi. Samedi, dimanche, lundi, passer chez les dépanneurs et puis commencer par me chercher quatre comme ceci. Ça, c'est le cas télé. Votre pratique commencera avec ça. Chacun. 24. Ni. Quand je finirai ça, je vous demanderai les cartes de smartphone. J'en ai, j'ai acheté. On m'a vendu 5 kilos seulement là, 100 000. 5 kilos de téléphone, de cartes téléphone. 100 000. Parce que les Indiens viennent nous ramasser. Oui, 5 kilos seulement, 100 000 francs. Les gars là, ça demande maintenant, vont quand tu vas, ils te trient ça. Les téléphones bamba partout là. Il dit ça là, c'est 500. Les téléphones de Samsung et tout ça là, ça il dit ça c'est 1500, 2000, 3000. Vous êtes, on est obligé d'acheter. Pour la pratique. Pour la pratique. C'est sur ça que vous allez décider. Babacan, tac, lumière vie. C'est ça. Oui, j'ai enlevé ça. J'ai enlevé les diffuseurs. Non, c'est plus bon. En fait, c'est que quand on est dans l'ombre, dans l'obscurité, quand on allume, c'est ça. Mais si on avait allumé, déposé, on n'aurait pas de souci. C'est les cartes comme ceci. Ça, c'est la carte télé. Ça, c'est une carte télé, ça. C'est une télé complète que vous voyez là. Hein. C'est la coque. Ici, vous avez le THT. C'est fini. Ici, vous avez le tuner. Devant, vous avez les boutons. C'est fini, Jeff, non? C'est ça, là. C'est sur ça là que vous allez commencer. C'est ça. Vous demandez à un dépanneur. Vous dites, il n'a qu'à vous trouver. Si le dépanneur, il veut pas vous remettre, il va dessouder ça. Il va enlever le BU. Un amour. Ah, vous êtes caché. Il a enlevé ça. Comment trouver ça à un dépanneur? Non, chez le dépanneur, tout ce qui est réparateur de télé, allez seulement. C'est différent de ça. Ça, c'est différent des cartes comme ceci. Hein. Ça, nous allons travailler dessus. Même si vous trouvez les deux, même c'est pas grave, prenez, ramassez, déposez dans votre coin. Quand je vous dis carte, amenez-moi les cartes. À un moment donné, je pars jusqu'à Sébicotane. Babacar, vous fermez. Oui. Des fois, les dimanches, je suis obligé de partir avec ma femme. Vous connaissez le marché de carte? Oui. C'est là-bas que j'achète les téléphones. Je suis obligé d'aller jusqu'à Sébicotane. À la sortie de vers Thiès, la route de Thiès, ils ont gardé les camions. C'est là-bas qu'ils vendent ça. Les bols que vous voyez pousser là, c'est là-bas qu'ils vendent ça. À Grand Off, à Bignona là-bas, vous allez là-bas, là, les jeunes là, ils ne vendent plus. Ils ne vendent plus. C'est devenu un business pour eux. Donc, commencez par chercher déjà. Vous avez un technicien, vous avez quelqu'un qui fait la réparation. Remettez-lui 1000 francs, remettez-lui 2000, il va vous trouver les cartes et puis à Chanoudem. C'est sur ça que vous allez travailler. Il y aura des exercices à faire à la maison. Nous avons la pompe à dessouder. Alors ici, la pompe à dessouder, nous n'allons pas utiliser la pompe à dessouder sur les composants miniatures de surface. Ce n'est pas conseillé. Parce que la pompe à dessouder, si vous l'utilisez sur les composants miniatures de surface, vous allez disparaître. Le composant va disparaître. Déjà, même quand vous posez la pompe sur le composant, il disparaît. Vous ne le voyez plus. Donc si vous aspirez, le composant est parti. Donc on n'utilisera pas de pompe à dessouder sur les cartes de téléphone ou d'ordinateur portable. Alors, la pompe à dessouder permet de dessouder les composants et ensuite maintenant de pouvoir ressouder ou bien enlever l'étain. D'accord? Il va aspirer l'étain et laisser maintenant votre circuit aller libre pour que vous puissiez extraire le composant. Vous avez ensuite l'étain. Alors, en ce qui concerne l'étain, l'étain aussi également joue son rôle dans la soudure. Quand l'étain est de bonne qualité, quand l'étain n'a pas trop de plomb ou de flux, vous allez voir la vidéo dès que je vais vous le montrer. Si l'étain est de mauvaise qualité, votre soudure est mauvaise. Je crois que dans vos cours que je vous ai envoyé, je vous ai mis les techniques de soudure. Dans les techniques de soudure, vous allez voir qu'il y a des normes qu'il faut respecter. L'étain surtout. L'étain, si elle est de bonne qualité, l'étain va pouvoir vous allez faire des soudures. Alors, il y a quelque chose qui se passe avec la soudure. Mams ne veut pas faire de pratique, Seigneur. J'ai la carte mère, j'ai mon composant que je vais souder. Ici, on va appeler ça pastille. C'est le support sur lequel vous avez l'étain.
Ensuite, la soudure va se faire comme ceci. La soudure va se faire sur, comme si c'était une montagne, une colline en fait. Voilà la soudure en rouge. Mais si en tout temps, vous avez une soudure qui fait comme c'est un canari ou bien une vase, ça c'est ce que nous appelons une mauvaise soudure. Ou si vous faites une soudure et la soudure est comme ceci, faute, on dirait la route de caisse, on dirait le montagne de caisse là, il y a des caissons ici. Ça c'est pas bon. Voilà un peu ce que ça donne. Une soudure doit être comme le rouge. Il doit former un cône avec un sommet un peu arrondi. On a une belle soudure. Ça, Mams, ça t'attend. Je vais te brûler les doigts. Ça, Mams, m'attend. Quand je demande ça là, ça, c'est pour ça. Tu vas attraper ça, ni. Tu vas dessouder ça. Quoi ça? Ah. On continue. Vous ne savez pas ce qui vous attend, hein? C'est pas ce qui vous attend. Quand tu vois les gens là, vous n'allez pas à la cuisine. Vos femmes préparent, vous n'allez même pas les aider. Quand ça brûle, vous criez, why? Ici là, laisse. C'est dans quelques moments, vous avez les doigts, surtout lui là, quand il voit ses doigts, il ne veut même pas que quelque chose le blesse. Quand il met les mains dans le pour que quand il va saluer quelqu'un, que ça fait nerf. Nerf, mon yifi. Ensuite, vous avez. Qui va vous aider? Babaka, s'il te plaît, maintenant, allume-moi, je vais aller un peu avec ça. Alors, maintenant, nous sommes en train de rentrer sur ce que vous avez. Vous avez ça. C'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Ceci. Le voici. On l'appelle pâte à braser. C'est ça. Attention, commencez pas déjà à maîtriser les noms quand je vais vous demander lorsqu'on va faire la soudure. Vous avez ici la pâte à braser. On l'appelle également flux. On l'appelle pâte à braser. Il l'appelle encore. On peut l'appeler également le flux. D'accord? Si vous allez chez vos frères de Colobane et de salle de vente, ils vont vous appeler graisse. Ce n'est pas la graisse, c'est différent. C'est la pâte à braser. C'est important. Et les disciples power, beaucoup ne savent pas, ils ne connaissent pas. Quand vous allez à Colobane, vous demandez, vous diront que non, c'est pour flasher, déclencher les batteries. C'est faux. C'est ça là qui permet de faire les réparations, de savoir si l'appareil a un court-circuit ou pas. C'est lui également qui permet de savoir si, lorsque je démarre et mon téléphone se plante sur la pomme, et plus, lui aussi peut régler ce problème. Lorsque je démarre mon téléphone et qu'il reste planté sur le nom du logo de l'entreprise, ça aussi peut le faire. C'est également celui-ci qu'on utilise pour tester les haut-parleurs, les vibreurs. C'est un outil très important pour un technicien. Si vous ne l'avez pas sur la table, vous êtes nul. Ça peut allumer le téléphone sans le batterie. Oui, ça permet d'allumer le téléphone sans le... Bon, on fera le cours sur ça. Vous êtes là, non? Bienvenue. Vous avez le séparateur d'écran. Tout à l'heure, quand je parlais de l'écran, voilà l'appareil. Ça aussi, il est là-bas. On l'a acheté, on ne l'utilise plus. C'est comme les appareils qui sont sortis pour les blindés. On verse le liquide là, tout, ça fait un mois, ça a cartonné. Par-ci, par-là, les gens ont ramené ça à gogo. Deux mois, trois mois après, directement. Mais moi, je vous dirais, par exemple, aujourd'hui, ceux qui sont dans le business et qui avaient déjà une idée sur gagner de l'argent déjà, je vous demanderai d'acheter celui-ci. Si vous pouvez, je vous demanderai de l'acheter. Un instant. Oh. Oh. Voilà, c'est ça qui est là. Cet appareil, c'est ce qui est actuellement sur la mode. C'est quoi son nom? C'est l'appareil de protection hydrogel. C'est ça qui cartonne actuellement.
C'est ça là qui cartonne. Cet appareil, vous l'avez au Canada, vous l'avez en France, vous allez partout, film hydrogène. Alors, il fait tous les appareils. Vous achetez seulement les plaquettes d'hydrogène, vous mettez ça, j'amène par exemple un iPhone 13, sur l'appareil, c'est comme une imprimante. Ici, vous avez une base de données d'appareil. Donc, vous cliquez dans le menu et il vous sort sur les iPhones, il vous sort tous les iPhones, du 1er jusqu'au 14. Maintenant, le client qui veut, si vous voulez le dos ou l'arrière, le dos ou l'avant. Même les Samsung, même les appareils chinois. Oui. Ça va sortir les appareils chinois. C'est ce que j'ai dit en fait. Je n'ai pas encore fini. Voilà. Donc, tous les appareils, tous les écrans que vous avez, le dos, l'arrière, ça le découpe. Le gars veut que vous le protégez l'arrière parce que les vitres aussi arrière se cassent. Il vous le découpe. Vous mettez ça, vous programmez. Il découpe et après maintenant vous enlevez et vous collez. C'est à combien l'appareil? Bon, les prix, il faut voir sur Alibaba. Hein. Il faut voir sur Alibaba. Il faut voir sur Alibaba. Il faut voir sur Alibaba. Ouais, il est là. Donc c'est un peu ça en fait. Donc vous allez acheter avec les recharges en fait. Voilà, vous voyez, vous pouvez protéger tout, même tout ce que vous voulez en fait. J'ai vu que ça, sur TikTok, quelqu'un qui montrait ça. Ici. Les gens t'ont amené. Quelqu'un a amené ça pour voir. Ok. C'est un business. C'est dans son atelier. Dans son atelier. Ouais, il va faire beaucoup d'argent. Vous pouvez faire le décal là-bas. J'ai vu ça sur TikTok aujourd'hui. Non, vous avez ça, c'est de l'argent. Hein. Et puis l'écran, il est incassable. Incassable. Vous mettez la brique, incassable. Incassable. C'est incassable. Vous collez, c'est fini à vie, quoi. C'est ça qu'on disait pour l'autre. Hmm? L'autre, là, c'est ça qu'on disait pour l'autre. Oui. Là. Oui, l'autre. La valise, là. C'est ça, qu'on disait. Ça continue. Il y a, ça va dans les marchés, dans les villages. Dans les villages. Ça s'est arrêté ici. Ça s'est arrêté. Donc après cela, j'ai la lampe ultraviolet, ce que je viens de vous montrer. Ensuite, j'ai le bain ultrasonique. Voilà, il y a ça aussi que beaucoup ne savent pas. Ça, le bain ultrasonique, que beaucoup ne connaissent pas. Ça, importance capitale, numéro 2. Et non, numéro 1, 2, et puis 3. 3. Ça, bain ultrasonique. C'est lui qui vous permet de laver les quatre mers qui tombent dans l'eau. L'appareil qui tombe dans l'eau, vous l'ouvrez. Cette histoire de riz là, oubliez ça. Cette histoire de riz, oubliez ça. C'est cet appareil là qui fait le job. Avec la solution IPA, vous versez à l'intérieur et ensuite vous prenez, quand vous ouvrez votre carte mère et pardon, quand vous ouvrez votre téléphone, vous retirez le machin, vous le mettez à l'intérieur, vous le refermez, vous démarrez off-on, vous appuyez sur la puissance et il commence par tourner. Quand la puissance finit, c'est comme s'il y avait une minuterie, il s'arrête et puis vous l'enlevez, vous le séchez et puis vous remontez. Il y a une solution spéciale. Oui, ce que nous appelons la solution IPA. Isopropylique. On met de l'eau à l'intérieur. Quelle? L'eau à l'intérieur. En tout cas, c'est une solution. La carte ici. Tu vois, du sable qui pleut là-bas. C'est pas de l'eau. Mais comment il va nettoyer? Il y a une solution. Après, un liquide spécial. Quelqu'un vous fasse de l'eau. Vous sentez l'eau. Mais ils mettent ça au soleil. Ils utilisent le diluant. C'est ce que les gens font. Ils mettent ça dans du riz d'après ce qu'ils font. Mais moi, j'ai jamais vu ça. On ne met pas de l'eau. Tu ne peux pas utiliser de l'eau, tu ne peux pas utiliser du diluant. Le diluant est interdit formellement en électronique. Le diluant est formellement interdit. Le diluant est abrasif, corrosif. Il est agressif sur les quatre mers. Je vous parlerai un peu la prochaine fois, je crois, le cours, dans les prochains cours, je vous montrerai comment est-ce que le cycle imprimé est constitué. Comment est-ce que les gens utilisent le diluant pour nettoyer une carte mère et ils enlèvent les isolants. Et quand ils sèchent, c'est fermé, tu mets la batterie, ça prend feu.
Donc, le client est formellement interdit. Nous avons ensuite, après, bon, après nous avons fini. Alors, je vais m'arrêter là-bas, parce que après, là, vous avez un schéma de principe. C'est ce schéma-là que vous avez. Je vais m'arrêter ici. Et maintenant, je vais prendre les trucs nécessaires. Vous avez cette solution qui permet de nettoyer les cartes. Et ça aussi, on est en train de l'abandonner déjà. Ça aussi. Mais parce que ça, c'est vaporisé, c'est spray. Il part. Tandis que l'autre qu'on met dans l'appareil ISO là, il est dans une boîte. C'est les solutions que vous trouvez là, vous pouvez trouver dans les trucs de commerce, de composants électroniques. Vous avez la boîte. Cette boîte-là, beaucoup ne l'avaient pas parce que, bon, ils ne connaissaient pas. Beaucoup ne l'ont pas. Et je vous montre pour que vous l'ayez. D'accord? Je ne sais pas, parce que je crois que c'était fini. J'avais voulu mettre ça dans vos trucs. Ça, au moins, j'avais voulu vous l'ajouter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous devez acheter les brosses à dents. Les brosses à dents qui sont gâtées, vous l'achetez. Et lorsque vous voulez, par exemple, nettoyer une carte mère, bon, je considère que ça, c'est une brosse à dents. D'accord? Là, ici, c'est fait pour ça. Vous pressez dessus parce que c'est un système qui permet de pomper. Vous voyez? Donc, quand je pompe, il vient. Vous voyez? Donc, quand je pompe, il sort là. Et ensuite, je mets la brosse. J'appuie seulement dessus. Ça rentre dans la brosse et puis je nettoie. Ça permet de garder longtemps. Ça permet de le faire. Parce que ça s'évapore. La solution IPA doit s'évaporer. Très vite. Si ça ne s'évapore pas, ça va gaspiller votre carte mère. Ça, c'est quoi son nom? Hein? Le nom de quoi? Le truc là. C'est une boîte? Non, le truc que vous avez. C'est la solution IPA? C'est un accord qui est dedans. C'est un accord qui tend un peu vers le diluant, mais il n'est pas diluant. Parce que le diluant est trop fort en termes de plastique et de vernis. Ensuite, vous avez le heat gun. Ça, c'est ce que nous appelons le heat gun. Ça, il fait pratiquement les mêmes choses, mais sauf qu'il a des vitesses qui sont pré-réglées. Vous avez la vitesse rapide et la vitesse lente. Ça, c'est juste parce que quand vous voulez, par exemple, souffler sur un écran, vous voulez souffler, ouvrir un écran, c'est ça qu'on utilise pour soulever un écran, chauffer la colle sur les rebords, d'accord? Chauffer les rebords calmement. Et ensuite, maintenant, utiliser les médiateurs pour pouvoir enlever. D'accord? Et après, vous avez ça. Vous avez les câbles dédiés. Voici les câbles dédiés. Quand nous serons sur les DC Power, le rôle est là. On appelle ça les câbles dédiés. Il y a ça. Et ensuite, il y a ça. Ça. Il est universel parce qu'il renferme Android et iPhone. Ça, ce sont les câbles dédiés. Ils marchent toujours avec, on les utilise ici, pour les DC Power. Et c'est ça qui vous permet d'alimenter vos téléphones vraiment tranquillement pour ne pas créer un problème. Quand vous ne savez pas la panne qui se trouve dans le téléphone et que vous voulez dépanner, vous utilisez celui-ci. Si le téléphone a un court-circuit à l'intérieur, celui-ci va commencer par émettre un bip. Il vous dira que non, il y a une panne sur la carte mère. C'est le rôle de ça. D'accord? Alors, vous avez celui-ci aussi qui va sur les iPhones. D'accord? Celui-ci aussi, c'est la même chose aussi pour les iPhones. Et ensuite, vous avez... Bon, ça là, c'est ça là qui vient avec ça, dans le carton. Quand vous l'achetez, celui-ci vient avec. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc de téléphone, de batterie, il n'y a pas. On a alors, ici nous avons les pinces crocodiles. D'accord? On appelle pinces crocodiles parce que ça ressemble à la bouche de crocodile. C'est les pinces crocodiles. Et là, ce sont les connecteurs. D'accord? Vous pressez. Et ensuite, maintenant, il sort pour que vous puissiez l'agrafer à votre carte mère. Hein, vous l'accrochez au truc de batterie. Hein, le connecteur de batterie, vous l'accrochez derrière pour pouvoir l'alimenter. Une chose importante aussi... C'est pour les ordinateurs. Je ne veux pas répondre à ça. Je suis fatigué. On parle de téléphone portable, il me parle d'ordinateur portable. Est-ce que c'est normal?
C'est pas... Hein? C'est le téléphone. Dites-lui ça. Dites-lui, grand frère. C'est le téléphone. Merci. Je suis en train de parler d'iPhone et d'Android. Ceci. Quatrième chose que vous devez disposer. Matériel important. Quatrième chose. Le bracelet antistatique. Le bracelet antistatique. Lui, il va là. Ici. Dès que vous vous asseyez pour travailler, lui doit, il doit automatiquement aller à votre poignet. C'est lui qui va éviter que votre électricité statique que vous avez à partir des cheveux, comme monsieur là à la forêt, les électrons sont là-bas. Oubliez mon rôle. Oubliez ce chapeau, mon rôle. Les électrons sont là-bas beaucoup. Ça veut dire que par mégarde, si vous produisez de l'électricité statique, il faut savoir qu'en électronique, quel est le composant qu'on utilise pour amplifier le signal? Transistor. Vous prenez un transistor. Le transistor qu'on utilise en amplification, on requiert la sortie au collecteur, l'émetteur va vers le moins, la base est là. Pour un transistor, c'est la base qui est le problème. C'est la base qu'on commande. Plus la base est commandée, plus le transistor fonctionne. Dès que je vais mettre une petite tension de 1 volt au niveau du transistor, en amplification, il te sort ça. C'est pourquoi certaines personnes, certains techniciens bêtes, quand ils enlèvent la barrette mémoire d'un ordinateur, vous voyez bêtement, je ne sais pas qui leur a appris ça, ils nettoient ça, ils nettoient les broches, ils rechargent la barrette mémoire d'électrons. Ils veulent mettre ça dans l'ordinateur. Ils allument, la barrette ne s'allume pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont rechargé à partir des cheveux la barrette mémoire. La barrette mémoire, on ne l'attrape pas comme ça. La barrette mémoire, on l'attrape sur les côtés. C'est comme ça qu'on attrape la barrette mémoire, on la met à l'intérieur d'une machine. Une tension faible, petite qu'elle soit, dès qu'elle rentre en électronique, elle peut automatiquement augmenter. C'est pourquoi on dit qu'en électronique, on dit l'électronique se définit comme étant une branche de la physique où on transforme, on envoie un petit signal. Un tout petit signal qui rentre en électronique peut être transformé en grand. Et c'est pourquoi d'ailleurs même, dès que vous vous approchez d'une porte, la distance entre la porte et le système de détection crée un système d'alarme. Lorsque vous avez un système de détection de mouvement, on vous dit, monsieur, à ce niveau, vous ne bougez pas. Vous bougez un peu, il traduit ça comme étant une tension. Il marche. C'est tout. Lorsqu'il y a détection de fumée, il suffit qu'il y ait une petite fumée qui parte seulement au niveau de la diode. Pourquoi? Parce que pour la diode, on nous a dit que même seulement avec 0,3 volts, il passe. C'est pourquoi on utilise la diode dans la détection. C'est pourquoi on utilise la diode dans les détections. Juste 0,3. Quand lui sent seulement tu as bougé, là, qu'il déclenche. Là-bas, maintenant, on peut encore régler. C'est ce qu'on va appeler la sensibilité. Il s'approche un peu. Dès qu'il s'approche la main, la chaleur a augmenté un peu. Dans une salle insonorisée, dans une salle qui est vraiment nue, tu bouges un peu, là, et puis ça déclenche. Faites très attention à l'électronique. Quand vous ne connaissez pas, prenez le temps d'abord de l'apprendre avant de vous lancer. Je vais m'arrêter un peu sur cette quelques matériaux. C'est pas encore fini, hein? Il y en a beaucoup. Donc, ça aussi, j'avais ramené ça. Mais après, je me suis confronté avec des problèmes du genre, il y avait des gens qui devaient utiliser la main gauche. Avant, je donnais ça. Mais après, je donnais un par un. En fait, je donnais ça. Ça, c'est le second de l'autre, le bracelet. C'est le gant antistatique. Vous trouverez ça en blanc ou en rouge. Lorsque vous voulez travailler dans votre téléphone portable, pour éviter par exemple, mon hall sort lock. Voilà, la bague là, la bague de marabout de Mohamed. Pour éviter que le métal ne touche la carte mère, vous mettez ça. Ça évite que vous touchez ou qu'il y ait du courant qui passe. Même quand vous posez par mégarde sur une carte mère, vos doigts comme ceci, vous rechargez toujours la carte. Et c'est pourquoi les gants sont conseillés. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Les gants? Non, non, tout ça. Oui, il y a ça aussi.
Mohamed, laisse-moi après on pourra en parler. Il y a ceci. Ça. Ceci que vous voyez, c'est tout récemment que ça a commencé par sortir. C'est ce que nous appelons la bombe congélante, le spray congélante. Qu'est-ce que ça permet de faire? Lorsque je cherche une panne sur une carte mère, quelle que soit la carte mère, je vais d'abord utiliser le DC Power pour injecter le signal. C'est-à-dire, je vais l'alimenter. Et ensuite, puisque je cherche le composant qui chauffe, ou un composant qui est un court-circuit, il va dégager de la chaleur. Soit on va utiliser la caméra thermique, soit on va utiliser celui-ci. Je vais l'asperger dessus. Quand je l'asperge, il va se congeler. Quelques temps, quelques une seconde. Vous regardez la puce ou bien le composant. Si le courant vient et qu'il chauffe trop, il va se sécher aussi rapidement. Et c'est là où il y a la panne. C'est pourquoi quelqu'un m'avait dit qu'il y a un truc qui détecte les pannes. Là, j'ai dit non. La panne, vous la détectez vous-même. Vous aspergez, il se congèle. S'il y avait la tension qui était là, vous allez voir que ça va vite. C'est là-bas que ça la panne. Spray congélant. Ensuite, vous avez ça aussi. Hein. Vous avez ça. C'est ce que nous allons appeler le PCB stand. Quand nous serons sur la pratique des smartphones, c'est ça que vous utiliserez. Ça vous permet de placer votre carte mère de téléphone ici. C'est ça qui remplace le troisième main. C'est pourquoi quand les gens commençaient pas à parler de troisième main là, ils commençaient pas à rigoler un peu en fait. La puissance là, c'est pas quoi. C'est un peu ça. Donc je vais travailler sur la carte mère là. Et que je ne veux pas les laisser sur la table, je mets ça, je touche ici. Et voilà. C'est comme la troisième main aussi. Mais sauf que là, c'est encore plus solide. Parce que je l'ai mis, je cale. Vous voyez, je cale et c'est comme ça me permet de dessouder. Des fois, vous utilisez ça, mais le composant ne sort pas. Vous soufflez, vous mettez là, ça ne part pas. Vous êtes obligé de forcer. Donc c'est ça le PCB stand. Après le PCB stand, vous avez ça. C'est ce que nous allons appeler ici les plaquettes de ribaline. Ça, je vais vous montrer un peu comment ça se fait. Hein, les plaquettes de ribaline. Pas beaucoup ne savent pas le faire aussi. Ensuite, vous avez ça que j'ai ajouté sur votre matériel. Ça. Ce sont les raquettes pour faire le ribaline. C'est pour pouvoir. C'est pour toi, hein? Il arrive des fois où, sur des téléphones, iPhone et autres, ça fait ça pour toi, c'est pour moi. Ça c'est pour ici. Alors, par exemple, vous voyez, je vais faire ce qu'on appelle le swap. Le swap, c'est enlever un circuit ailleurs et de le remettre ici. C'est changer. Le swap, en anglais, c'est changer dans le jargon là. Alors, il arrive que nos circuits, entre-temps, ont été collés par le bas. Je souffle, ça ne passe pas. Donc c'est avec ça là que je prends et je commence à gratter. Ouais, je vais utiliser ça pour gratter le bas des circuits intégrés. Histoire d'enlever la colle. Histoire d'enlever là. J'ai le circuit intégré qui est comme ça avec les billes que je ne vois pas. Alors entre-temps, le touban quand il a fabriqué, il a d'abord posé une petite colle que nous on ne voit pas avant de le souffler, de le souder. Donc la raclette là me permet en réalité de rentrer ici, vous voyez, de rentrer là, de passer tout autour légèrement en soufflant, d'enlever la colle et puis après maintenant de soulever le circuit là. C'est pour ça. C'est pour pouvoir vous faire permettre de faire les ribalines. Vous avez ensuite là l'étain soluble pour faire le ribaline. L'étain en poudre, en pâte, que vous allez utiliser lorsque vous dessoudez un circuit intégré, des billes, vous allez prendre ça un peu, mettre sous les billes et vous faire les billes rond avant. Et ça s'utilise avec la plaque. Donc quand je vais utiliser ça, je vais mettre le circuit que j'ai dessoudé sur la plaque, je prends un peu que je mets dessus ici et je souffle,
ça va former les billes. Je prends après maintenant pour mettre sur la carte mère. C'est un travail. Vous êtes là pour un... Il y a du boulot. Et s'il y a du boulot, les gars, ce n'est plus l'amusement. Ce n'est plus la blague. Pour arriver à ce que je suis aujourd'hui ou ce que vous voulez être, il faudra que vous vous mettez au travail.